Yo tout le monde, c'est Thomas et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Jaja Rabbit 2, épisode 7, je crois, il me semble, je ne me souviens absolument plus. Et on se retrouve sur un épisode fort en couleur rouge, apparemment, d'après ce qu'on peut voir, et fort en paintball aussi. Paintball que je déteste parce que je me souviens de ce niveau. Et je mettais toujours, je ne sais pas combien de temps, à passer ce putain de niveau pourri. Alors j'aimerais bien récupérer les pièces aussi, mais à mon avis je vais galérer comme un porc. Enfin bon, bref, ça va me laisser le temps de vous demander comment vous allez, parce que moi ça va plutôt pas mal, hein. Alors donc il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, je m'en excuse. Bon, j'ai eu une semaine où j'ai eu des examens, c'est-à-dire le vendredi je crois, oui, vendredi j'ai eu des examens. Donc pendant la semaine j'ai dû bosser un petit peu pour les préparer, mais bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas fait que ça de la semaine, je me suis aussi un petit peu reposé parce que j'ai pratiquement pas eu cours, et reposé mais aussi jouer un petit peu, donc j'aurais pu vous faire la vidéo sur Minecraft, mais j'ai préféré ne pas la faire parce que sinon, si vous voulez, ma dernière vidéo était déjà sur Minecraft, donc je préférais attendre un petit peu avant de la faire, comme ça. Vidéo sur Jaja Rabbit normal, enfin bon, ça fait un cycle normal si vous préférez, je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre, j'ai un petit peu du mal à m'expliquer. Donc, pour faire bref, en gros, je préfère attendre, comme ça, vous avez Jaja Rabbit, puis un épisode de Minecraft, et non pas deux épisodes de Minecraft d'affilée. Donc voilà, ça sera plus simple de l'expliquer ainsi. Sinon, à part ça, bah écoutez, pas grand-chose de nouveau, hein. On approche petit à petit la 50e vidéo sur ma chaîne, il me semble, si je ne me trompe pas. J'espère ne pas l'avoir dépassée, c'est quand je vous dis ça, parce que ça sera un petit peu la loose quand même. Donc normalement, ouais, bientôt la 50e vidéo, et j'y pense surtout, ça va faire, ou ça fait, je ne sais plus la date exacte, un an que ma chaîne a été créée. Déjà un an, vous vous rendez compte, ça passe vite, hein. Le temps passe vraiment vite. Donc peut-être que je vous ferai une petite vidéo un petit peu spécial pour ça, donc peut-être une vidéo genre un entretien ou un truc comme ça, un entretien peut-être spécial un an ou spécial 50e vidéo, peut-être les deux en même temps, hein. Pourquoi pas fêter ça les pourquoi pas fêter les deux en même temps, ça pourrait être sympa. Donc je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, enfin surtout sur Facebook parce que Twitter j'y vais pas des masses, et puis bah vous serez tenu au courant, et puis je pense qu'il y aura peut-être une petite vidéo spéciale pour fêter ça, et puis pour faire un petit peu aussi un récapitulatif au niveau de ma chaîne, une petite mise au point où on en est, voir ce qui va arriver de nouveau, voir ce qui va pas arriver, enfin bon, faire un petit peu le tour de la chose. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de quand ça sortira. Pour le moment, il n'y a pas de date de prévu, il n'y a pas vraiment d'idée de ce que je pourrais faire non plus. Toi, tu as décédé, merci. Il n'y a pas vraiment de date de prévu, donc j'y vais un peu au feeling pour le moment. Donc voilà. Bon, alors comme ça, aujourd'hui, on découvre ce niveau un petit peu, pas futurisme, ouais, futuriste, un petit peu électrique, je ne sais pas trop comment l'appeler. Il est pas mal, c'est pas mon niveau préféré, mais il est plutôt cool tout de même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas quel est votre niveau préféré depuis le début du Let's Play, qui, je dois l'avouer, la dernière vidéo n'a pas très très bien marché, qui marche, ce Let's Play marche moyennement, mais bon. Maintenant que j'ai commencé, je vais pas arrêter, hein, comme je vous ai expliqué, de toute façon, c'est bientôt la fin du jeu. Et après ce let's play, j'envisage une autre vidéo, mais comme je vous ai dit, j'ai toujours pas essayé de tester, voir si le jeu marchait. Donc c'est un jeu rétro, je vous dis pas lequel, je vous dirai seulement si ça marche, parce que si ça marche pas, ça sert à rien que je vous fasse des promesses, alors que voilà. Donc j'essaierai, j'ai pensé aussi, comme je vous ai dit, je crois que c'est dans le dernier épisode de Jazz, de prendre un émulateur. Mais je vous avoue, franchement, j'ai jamais essayé d'en prendre un, donc je sais pas comment que ça fonctionne, donc faudrait que je me renseigne un petit peu avec des gens qui connaissent, ou alors en regardant des tutos sur YouTube. À mon avis, c'est pas très compliqué à prendre. Et si j'arrive à en prendre un, bon, on va pouvoir faire masse de jeux rétro, des let's play, des trucs comme ça. Ça pourrait être bien cool quand même. Donc je vous tiendrai informé, hein, il n'y a pas de souci, hein, comme d'habitude. Facebook, même s'il est vrai que sur Facebook, je ne poste pas des masses sur ma page non plus, mais bon, ça dépend. Oh, ça dépend des jours, quoi. Des fois, je postais un peu plus de choses que d'habitude, des fois un petit peu moins. C'est comme ça. Mais bon, en général, quand j'ai quelque chose à vous dire, je vous le dis. Il n'y a pas de souci. Bon, ce niveau est un petit peu chiant, quand même, hein. Il y a plein de trampolines et de trucs partout. Les développeurs, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils se sont amusés un petit peu là, à faire ça. Oui. Je m'attendais pas à ce qu'on puisse passer ici. Je vous l'accorde, hein, beaucoup. Enfin bon, voilà, ouais, les développeurs, je sais pas ce qu'ils avaient fumé.
Ils ont fait un niveau très coloré, très électrique, très futuriste, comme je vous l'ai dit. Bon, c'est sympa, mais c'est pas vraiment mon niveau préféré, je vous l'avoue, là. Moi, ça serait plutôt. Je pense que mon niveau préféré, c'est le dernier. Déjà, rien que la musique du dernier niveau, elle envoie du steak. Donc, quand on y arrivera, vous écouterez ça et vous comprendrez pourquoi j'aime bien ce niveau. Ça fait un petit peu. Ça fait hardcore. Ça fait un petit peu. Avec. Bah non, je vais pas vous spoil. J'allais vous spoil, mais non. Vous verrez par vous-même. Ça sera la surprise. La surprise de fin de jeu. Excusez-moi si vous entendez un bruit chelou. Là, j'ai tapé dans mon micro sans faire exprès en me grattant le nez. La vie est passionnante, hein, je vous l'accorde. Donc si vous entendez un petit bruit, désolé. Enfin bref. Donc après cette vidéo, je vais tourner la vidéo, le nouvel épisode sur Minecraft. Donc j'espère qu'on va trouver une jungle hein, cette fois-ci, parce que c'est sympa, la dernière vidéo était cool. Mais on n'a toujours pas trouvé de jungle, donc j'espère qu'on va en trouver une. Hein. Mais bon, vous verrez ça dans l'épisode quand il sortira. Et si je peux, si je peux, si j'ai le temps, si j'en ai bon, l'envie, généralement j'ai l'envie. Généralement, j'ai toujours envie de vous faire des vidéos, mais j'ai souvent soit la flemme, soit pas le temps. Bon, je vous accorde, je suis un gros flemmard. Et j'ai du mal à combattre ma flemme. Alors, pourtant, ça me déplaît pas de vous faire des vidéos, mais des fois, j'ai un petit peu la flemme. Bon, ça arrive à tout le monde. Bilan énergétique, ça fait plaisir, ça. Donc, j'essaierai de vous faire peut-être une vidéo le samedi. Alors, soit une vidéo sur un jeu d'horreur, ou une petite vidéo sur Battlefield, par exemple. Ou alors, peut-être la vidéo spéciale 50e vidéo et un an de la chaîne. Je verrai. Je vais essayer d'y réfléchir cette semaine à ce que je pourrais faire. J'ai pas encore trop d'idées. Ça viendra, donc j'y réfléchis. Il n'y a pas de souci. Sinon, peut-être aussi une vidéo sur. Comme je vous ai dit, ça fait au moins 4 semaines que je vous le promets. Sur le saviez-vous. Je vous ai dit. Enfin, la sœur d'émission, le saviez-vous, un petit peu le savoir inutile, entre guillemets. Enfin, inutile, non, c'est toujours bon à savoir, c'est toujours cool. Mais c'est pas très important dans la vie de tous les jours. Donc voilà, peut-être vous faire cette petite émission, pourquoi pas. Ça sera des petites vidéos qui dureront 2-3 minutes. J'ai le sujet, il faut juste que je trouve encore comment je pourrais tourner ça, on va dire, dans le sens où quel format vous préfériez. Donc soit en me voyant en vrai à la webcam, je sais pas, enfin la webcam à la caméra, soit bah, on me voit pas, c'est que du commentary sans me voir, mais avec des images un petit peu. Bon, je prends toujours l'exemple du point culture de Link the Sun parce que. J'ai pas vraiment d'autres émissions en tête là à l'heure actuelle, où ça sera pas du point culture, je vous rassure, il y aura pas de top 20, il y aura pas de trucs comme ça sera totalement différent. C'est vraiment le format, je parle vraiment du format, donc avec des images, histoire de commenter avec des images, comme j'avais fait, je crois, avec l'entretien numéro 2, même si ça vous avait pas forcément plu, c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de pouces rouges. J'essaierai, pourquoi pas, bah, de refaire un truc comme ça, mais vraiment de meilleure qualité, hein, pas. Largement mieux que l'entretien numéro 2, hein, je pense. De toute façon, ce sera pas trop trop dur à faire parce que à l'époque j'avais des soucis avec Sony Vegas, j'avais pas de chance au niveau des couleurs et tout. Normalement, c'est faisable, on va dire. Ça va pas être trop galère à faire, il n'y a pas de soucis. Donc j'y réfléchis, je vous tiendrai au courant aussi. La vidéo, s'il y a une vidéo samedi, voilà. Parce que c'est vrai que cette semaine, j'ai une semaine chargée par contre. Encore la semaine dernière, j'aurais peut-être pu vous faire une vidéo, mais comme je vous ai dit, je voulais pas dérégler un petit peu l'ordre des choses, donc j'ai préféré ne pas en faire, mais là c'est vrai que cette semaine j'ai plus de cours. Je suis mis 3 jours à. Je suis lundi, mardi, mercredi du 9h-17h. Donc, je vous avoue que ça va être un peu tendu. Après, le jeudi, je fais du 13h-17h, donc une vidéo le matin ça va pas être faisable, sachant que mon unité est un petit peu lent, faut que je parte assez tôt. Et le vendredi, bah je finis à midi, donc peut-être que je pourrais vous en faire une vendredi. Peut-être, c'est pas sûr. Faudra voir, donc ça serait la surprise. Comme je vous ai dit, hein, on verra bien. Donc voilà. J'arrive pas à prendre ces foutus diamants. Hein. Bon, tant pis. C'est pas grave. Alors, est-ce qu'il y aura un boss à la fin de ce niveau? Alors là, je ne sais absolument pas. Je m'en rappelle plus du tout, là, pour le coup. Je pense qu'il y en aura un. Je suis pas sûr. S'il y en a plus, bah. C'est que j'ai vraiment une mémoire de fuck. Et c'est vrai qu'on approche vraiment de la fin de ce let's play, hein, quand j'y pense. On doit en être à. Aux trois quarts, je pense qu'on en est au moins aux trois quarts du let's play. Moi, personnellement, j'ai bien aimé. Bon, ça marche moins bien que Minecraft, mais tout de même, ça cool. Ça fait du bien de revenir sur des vieux jeux comme ça. Bon, après, il plaît pas forcément à tout le monde. C'est vrai que tout le monde ne connaît pas forcément ce jeu. Et puis bon, bah, comme un pote, y a un pote qui m'a dit ça. Ton jeu ressemble un petit peu à du Sonic, qui se reconnaîtra. Donc, au passage, petite dédicace à toi. Et à un autre pote qui regarde mes vidéos, il se reconnaîtra aussi.
Pas de raison. Et donc il m'a dit ouais, ça ressemble un peu à du Sonic, c'est un mélange de Sonic, Mario et tout. Donc c'est vrai que ça y ressemble beaucoup, hein. C'est du jeu de plateforme, c'est comme ça, c'est du. J'ai plus le nom en tête, le nom exact du jeu, enfin de la. Merde. Comment on appelle ça? J'ai un trou de mémoire au niveau de ma parole. Le style du jeu, voilà, je sais plus exactement comment que ça s'appelle, mais bon, c'est pas grave, vous m'aurez compris. Donc c'est vrai que ça ressemble un petit peu du Sonic et tout, sauf que c'est moins connu. Donc moi personnellement, c'est vrai que ce jeu, j'ai joué quand j'étais gosse. Donc j'ai limite plus joué que Sonic et que Mario, même si Mario j'ai quand même bien dosé, je vous l'accorde. Et non, c'est pour moi ça me fait plaisir de vous faire ce jeu, même si ça ressemble à du Mario. Je trouve ça cool. Et c'est vrai que vu que c'est moins connu, peut-être que ça peut plaire un petit peu moins, c'est un petit peu plus spécial, on va dire. Enfin, bon. C'est comme ça, au pire des cas, vous aimez, tant mieux, vous aimez pas, tant pis, vous ne connaissez pas, vous découvrez, tant mieux, c'est principal, vous voyez si vous aimez ou pas. Ça peut pas tout le temps marcher de toute façon à chaque fois, c'est comme ça. C'est la vie. De toute façon, toutes mes vidéos n'ont pas forcément toutes bien marché. Surtout que au début, je sais pas si je vous en ai déjà parlé dans un entretien, mais mes premières vidéos ont dépassé les 200 vues, mais j'ai l'impression que quelqu'un a boosté mes vues. Donc là, je sais pas si je vous avais déjà parlé de cette histoire. J'attends un petit peu avant d'aller vers le exit. Je sais pas s'il y a un boss, ça serait bête de se lâcher maintenant. Donc je finis ma petite anecdote entre guillemets. Mes premières vidéos ont été boostées par je ne sais pas qui. Alors je sais pas pourquoi il a fait ça. Peut-être qu'il aimait bien mes vidéos et qu'il voulait me rendre service, mais moi ça me rend pas vraiment service, voilà. Donc elles ont pas si bien marché et je sais pas vraiment si elles ont bien marché ou pas. Donc enfin bref, pour tout vous dire, toutes mes vidéos ne peuvent pas bien marcher. Et bon, j'ai fait un let's play qui plaît moyennement, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir de vous le faire découvrir, et c'est le principal. Donc voilà. Toujours pas de boss. Bon, bah c'est pas très grave, hein. Il y en aura certainement un autre dans le prochain niveau. Oh, la musique est forte. Ah oui, et je me souviens de ce niveau. Il est un petit peu dark. Ça commence à être dark quand on arrive par ici, là. C'est pas mon niveau préféré, mais il est pas mal. De toute façon, il n'y a qu'à voir l'ambiance, le décor. Hein. Enfin bon, bref. On va sauvegarder et on va se laisser ici. Donc je vous souhaite un bon lundi. Cette vidéo sortira normalement le lundi midi. De toute façon, elle est déjà sortie. Si vous la regardez, si vous m'entendez parler à ce moment-là, j'espère que ça vous aura plu. Lâchez un petit pouce vert si vous avez aimé. Partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, allez sur ma page Facebook pour voir mes actualités. Et voilà, sur ce, tchou, c'est à jeudi pour la vidéo sur Minecraft. Bye!